Yo les trashers! Dans la mythologie Pokémon, un seul règne. Il est le créateur de toute vie dans l'univers, l'équivalent de notre dieu monothéiste. Son nom est Arceus et c'est le premier des légendaires. En stratégie Pokémon, on a déjà vu de nombreuses fois que ce Pokémon est facilement dans le top 3 des Pokémon les plus forts du jeu. Avec ses statistiques de malade mental et ses capacités à se transformer en tous les types, il est complètement inarrêtable. Mais quelles sont les meilleures façons de jouer Arceus en stratégie? Celles qui le rendent le plus puissant des Pokémon. Voilà les 6 meilleurs sets d'Arceus en stratégie Pokémon. Allez, on va établir une règle. On ne commande pas ma prononciation d'Arceus. Que vous prononciez Arceus ou Arceus, nous sommes tous des amis qui adorons le même jeu. Salaud ! Crève enfoiré ! Tu prononces mal ! Tuez-le ! Ah. Wolseus. Quand on regarde les statistiques d'Arceus, on a tendance à ne voir que les statistiques offensives de ce dernier, ainsi que sa vitesse de malade mental. Mais c'est oublié qu'Arceus est plus résistant aux coups que des énormes murs tels Kermur, Hippodocus ou même Lugia. Wolseus utilise au mieux les capacités défensives du Pokémon. On joue ce set avec un investissement en EV en défense et en points de vie. Si vous ne savez pas ce que sont les effort values, ces points qu'on peut donner à un Pokémon, je vous enjoins à aller voir le lexique complet que j'ai fait sur la stratégie où je les explique plus en détail. Avec des statistiques défensives augmentées et un accès à l'attaque feu follet qui divise l'attaque des Pokémon adverses de 50%, il est littéralement intuable sur le physique. Son accès à soins lui permet de récupérer des points de vie pendant que son ennemi meurt petit à petit et hurlement empêche l'adversaire de se booster pour pouvoir le passer. Il a le choix de l'attaque offensive, même si retour ou laser glace sont préférés. Enfin, comme il est de type normal, il peut porter les restes qui lui rendent la vie à chaque tour, et à moins d'avoir un gros bourrin de type combat, il fera sa petite vie sous vos yeux pendant que votre adversaire pleurera toutes les larmes de son corps. Set extrêmement populaire il y a quelques années, mais tombé un peu en désuétude depuis Ruby Omega et Saphir Alpha à cause de l'omniprésence de Primo Groudon à qui il ne fait rien, Wolseus reste un set qu'il ne faut pas sous-estimer, sous peine de voir son équipe tomber KO à petit feu sous les yeux du créateur qui se gausse. Arceus fait plénitude. Petit nouveau des formes d'Arceus avec son type créé à l'arrivée de la 6ème génération et Pokémon XY, Arceus Fée s'est vite imposé comme le meilleur représentant des Arceus utilisant la capacité Plénitude, attaque extrêmement puissante et extrêmement utilisée en stratégie qui permet de se booster à la fois la défense spéciale et l'attaque spéciale. Le type Fée, de par ses résistances combat, insectes, ténèbres et surtout son immunité dragon, lui permet de très bien gérer Yveltal, Mega Dratak ou Rayquaza. Comme Plénitude lui permet déjà de se booster en attaque et en défense spéciale, on peut concentrer les EV sur la vitesse et les points de vie, car attaquer en premier est primordial en stratégie Pokémon et la vitesse d'Arceus est un de ses plus grands avantages. Soin lui permet de récupérer ses points de vie, et Jugement, attaque signature de type Fée, lui permet de taper le plus fort possible après quelques boosts. En dernière attaque, on préférera Telluriforce qui permet de frapper fort les types acier, qui résistent au type Fée, Majarna, Exagide ou même le confrère Arceus Acier. Le combo d'attaque Sol et Fée est résisté par très peu de Pokémon, comme Ermur ou Ho-Oh, mais ces derniers sont faciles à contrer par le reste de la team. Si l'équipe de l'adversaire est mal préparée à l'affronter, peu de choses sont capables d'arrêter Arceus Fée et son set de plénitude, et toute équipe de légendaires digne de ce nom se doit d'être prêt à y faire face, sous peine de se faire choupinova la tête. Ghostseus. Arceus Spectre a toujours été une des meilleures formes d'Arceus, mais il est devenu excellent en 7ème génération. Le type Spectre offre des résistances intéressantes au type Poison et Insecte, mais surtout une excellente immunité normale et combat, très utile pour se placer. Le plus grand avantage de ce type est sa couverture offensive. Seul le type Ténèbres résiste au type Spectre et le type Normal y est immunisé. Cet Arceus est joué avec un set physique, utilisant Dance Lame pour doubler son attaque déjà très élevée. Vitesse extrême lui donne une priorité lui permettant de finir des Pokémon affaiblis, et Revenant est une attaque en deux tours mais d'une puissance équivalente à celle de Close Combat. Enfin, Séisme ou Lame de Rock selon ce qu'on souhaite toucher, les types Acier ou Vol par exemple. Mais là où cet Arceus est devenu bien plus puissant avec la 7ème génération, c'est grâce à l'apparition des attaques Z. En effet, donner un Crystal Z de type à Arceus le transforme dans ce même type. Donner un Crystal Z de type Spectre à Arceus le transforme donc en type Spectre, tout en lui donnant accès à une attaque surpuissante basée sur Revenant qui annihile totalement le Pokémon adverse. Même Yveltal peut se faire one-shot par cette attaque après un boost, et c'est le seul contre-courant à ce Pokémon dans les légendaires. En supprimant de manière presque assurée un Pokémon par match, et très souvent plus, Arceus Spectre avec son attaque Z est une menace incroyablement efficace dans le metagame Uber. Arceus, Sol, Antibrume.
Dans le monde des légendaires, et depuis Ruby, Omega et Saphir Alpha il y a 3 ans, un Pokémon règne. Primogroudon. Primogroudon. Monstrissime utilisé dans 80% des équipes et pratiquement inarrêtable. Tout le metagame est centré sur Groudon, sur comment le contrer ou comment l'aider à tout détruire. Et venu des cieux pour arrêter la fournaise provoquée par le Pokémon continent, Arceus Sol se révèle le meilleur Pokémon pour gérer la plus grosse menace du tiers, et donc un Pokémon extrêmement joué. Cet Arceus profite de son accès à Antibrume, une attaque qui retire les pièges de roc, les picots et les pics toxiques du terrain, pour empêcher Primogroudon de les poser, lui qui est l'utilisateur de pièges de roc le plus populaire du tiers. Soin lui permet de venir tranquillement sur le terrain et de récupérer ses points de vie sans souci grâce à sa vitesse, lui permettant d'agir en premier, et son jugement boosté aux hormones par la plaque terre lui permet de défoncer les Pokémon ayant une faiblesse au type. Enfin, Laser Glace permet de contrer les types vol et dragons tels que Giratina, Zygarde forme complète ou Mega Dratak. Il est joué avec assez de vitesse pour dépasser Mega Lucario, grande menace offensive du tiers, et le reste en points de vie et défense pour tenir au mieux les coups. Arceus Sol est la preuve définitive qu'Arceus est et restera le Pokémon ultime de jeu, capable de s'adapter à tous les metagames avec une de ses formes et un de ses sets. Trollseus. On sort un peu des 7 surpuissants pour parler de Trollseus. Cet Arceus profite de la ressemblance entre Arceus Vol et Arceus Acier, qui sont quand même assez proches si on n'a pas l'œil averti. Il suffit de jouer Arceus Vol et de le renommer Arceus Acier. Un adversaire ne faisant pas attention va penser à une faiblesse sol et combat du type acier, alors qu'Arceus Vol est immunisé au type sol et résiste au type combat. Le temps que le joueur d'en face réalise son erreur, votre Trollseus aura passé assez de Danslam ou de Plénitude pour pouvoir casser la gueule à l'équipe adverse. D'ailleurs, j'ai fait un test avec les trashers en leur demandant de me dire de quel type était cet Arceus entre vol et acier. Et sur 8 réponses, seulement 5 ont trouvé qu'il était de type vol, et pourtant ils connaissent Pokémon. Oui bon, je tryhard pas non plus hein. Alors oui, bien sûr, ça ne marchera jamais avec un vrai stratège averti. Mais si vous voulez gagner facilement contre votre petit cousin, que vous adorez qu'on vous traite de hacker et de tricheur, ou tout simplement que votre plus grand kiff dans la vie soit de faire hurler de rage un enfant qui essaye de faire séisme à répétition sans comprendre, Trollseus est le meilleur Pokémon que vous puissiez jouer. Petit passier. Extrême Killer. Et on arrive au premier set d'Arceus, celui qui a fait sa réputation de monstre, de dieu, et ainsi de suite. Extrême Killer. Si vous avez déjà joué en stratégie Pokémon, plus particulièrement en Uber, vous avez déjà fait dans votre culotte en entendant ce nom. Extrême Killer se base sur deux attaques, simples et claires. Danslam qui booste l'attaque d'Arceus à des niveaux absurdes, et Vitesse Extrême, la meilleure attaque de priorité du jeu et également la plus puissante. Avec le type normal, Arceus obtient un stab sur l'attaque, ce qui augmente de 50% supplémentaire les dégâts. Le voilà ainsi inarrêtable après un seul tour. Griffombre permet de passer les types spectre et c'est bien suffisant. Ce qui rend le set surpuissant, c'est que ces trois attaques sont tellement efficaces en elles-mêmes qu'il y a 50 options pour la dernière attaque. On peut lui mettre soin pour qu'il puisse tranquillement se booster, séisme pour les types acier, régénération pour empêcher les statues, déflagration pour passer Hermure, un des seuls Pokémon capables de gérer le set, ou même Laser Glace pour Mega Dratak et Zygarde forme complète. Au niveau de l'objet, c'est pareil, entre l'Orbeville, le Mouchoir Soie, la Gemme Normale ou les restes, dépendant de ce qu'on veut en faire. Enfin, la répartition des EV peut être très classique en attaque et vitesse, mais aussi jouable avec des points de vie pour des sets plus défensifs, mais tout aussi efficaces. Extreme Killer se paye donc le luxe d'être à la fois un des Pokémon les plus dangereux du jeu, un des Pokémon les plus reconnaissables du jeu, et aussi un des Pokémon les plus imprévisibles du jeu. Heureusement ou malheureusement selon le point de vie, Marshadow se révèle un des meilleurs Pokémon pour contrer Arceus Extreme Killer, en étant plus rapide avec le Team Spec pour être insensible à vitesse extrême, et en ayant assez de puissance pour le tuer en un coup avec Close Combat. Tellement bien fait qu'on peut même penser que Game Freak a créé Marshadow en partie pour pouvoir gérer cet Arceus. Terriblement efficace depuis son existence, sûrement le set Pokémon le plus connu et renommé du jeu, Extreme Killer a marqué la stratégie d'un fer rouge du sang de ses ennemis. J'aurais pu aussi parler d'autres Arceus très utiles selon l'équipe dans laquelle ils sont, tels qu'Arceus Eau ou Acier avec leur type excellent, Arceus Plante, le meilleur Pokémon du jeu pour gérer Primokyogre, ou Arceus Poison, anti-méta par excellence, gérant Xerneas et Marjarna en rigolant gaiement. Petite pensée aussi pour Arceus Insecte, le pire du jeu à jamais oublier. Tu restes dans nos cœurs, bébé. Et vous, quelle est votre forme et set d'Arceus préféré? Balancez-le dans les commentaires, balancez un like, abonnez-vous à la chaîne de Pokémon Trash ainsi qu'à la mienne où je fais du contenu stratégique de qualité. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.